Dans un coin paumé du Cantal, vivait un homme de Néandertal. Il menait une petite vie pépère, il ignorait tout de la guerre, mais il s'emmerdait, qu'est-ce qu'il s'emmerdait? Au fond de sa vallée, il se bricola un radeau et partit au hasard des flots. Et sur la Santoire et la Serre, il se rapprocha de ses frères. Mais il s'emmerdait, qu'est-ce qu'il s'emmerdait à vivre en société. Il rencontra sur la Lagnon une fille de Cro-Magnon. Si sur le champ ils s'épousèrent, leur passion fut plus qu'éphémère. Et elle l'emmerdait, qu'est-ce qui s'emmerdait au bras de sa fiancée. Il a émigré en Haute-Loire, autre trou de la préhistoire, où féru d'art et de culture, il opta pour l'architecture. Mais là d'habitat troglodyte, il construisit des mégalithes. Mais il s'emmerdait, qu'est-ce qui s'emmerdait à monter des pavés. Comme il n'avait pas d'avenir, il a décidé d'en finir. Et il mit fin à sa carrière en se jetant dans une tourbière. 10 000 ans plus tard, lors de fouilles, quand fut exhumée sa dépouille, ce con de préfet créa le musée de l'homme qui s'emmerdait. Où depuis, il se fait chier. Dans un coin paumé du Cantal, vivait un homme de Néandertal.